Bonjour à tous et bienvenue sur DX Snap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Antonin et Polska. Sous le choc, ils nous racontent ce qui leur est arrivé. Ils se promenaient tranquillement quand une bande de personnes ont voulu les attaquer pour leur prendre leur argent. Dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en danger, ils sont partis au plus vite. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Alors du coup, je t'explique. Donc moi, je suis allée aux Tuileries pour aller voir Antonin ici présent. Voilà, pour chill dans l'herbe, les petites galipettes. Ouais, sauf qu'après, je l'ai un peu foutu dans un bourbier, quoi. Parce que j'ai oublié que c'était Polska, la femme la plus sexy de France. Exactement. Du coup, évidemment, on gambade avec elle. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah après, on prend des photos avec des abonnés. Ouais, il est trop gentil. Calme, vraiment, très, des très abonnés sous Cali, comme elle dirait. Sous Cali, comme jamais. Et après, on n'a pas compris, genre... à couper, du coup on disait... Donc c'est pas, on voit une bagarre genre un peu au loin mais qui va vers nous, genre trop chelou. Et nous on regarde comme ça, on se dit putain c'est chaud, genre des gens se bagarrent, genre il y a des gens qui se font du mal et tout, bref. Ça nous fait un peu de la peine mais on reste parce qu'il y avait un mec qui était en train d'essayer de brancher Polska. Voilà. Bon, c'était ton style ou pas d'ailleurs? Pas trop, mais... C'était gentil, il essayait de nous faire rire et tout, on appréciait l'effort, tu vois. Donc on restait un peu avec lui, mais c'est pas pendant qu'on parlait avec lui, on reçoit genre plein d'appels, genre trois appels qui nous disent genre ouais, les gens qui se tabassent, genre ceux qui veulent, ils veulent vous, genre ils ont dit on a vu Polska, on a vu Antonin. Ils ont de l'argent. Et ils ont de l'argent, on les veut, genre ça, franchement ça paraît dingue, mais littéralement genre là je peux vous mettre les audios, genre ils voulaient notre peau, alors qu'on était juste en train de se promener, genre on était juste des bombes dans les Tuileries. Alors du coup, nous, quand on a vu ça, on a clairement tiré une pointe, parce qu'on n'a pas le temps pour ce genre de choses. Genre, regardez ces magnifiques extensions de cils volume russe, regardez ces magnifiques extensions de bouche, genre là, voilà, elles n'ont pas fini de cicatriser. Les extensions, elles ne vaut pas non plus 2 euros, donc voilà, on n'avait vraiment pas le temps pour ce genre de choses. Donc on a taillé en courant. En plus, regardez, j'ai déjà eu des blessures de guerre dernièrement pour mes petites activités, j'en dirai pas plus. Bref, et en plus, on a appris qu'il y a un abonné donc, qui s'est pris des coups, parce qu'il a entendu que... Du coup, les personnes, elles nous voulaient du mal. Donc, franchement, ça nous fait trop de la peine. Donc, voilà. On espère qu'il va bien et on lui a fait livrer un McDo. Voilà, donc j'espère qu'il mange ses petites nuggets et qu'il va mieux. On fait des bisous, Valentin. Par contre, MDR, le clos des gens. Mais arrête, toi, putain! Bref, par contre, MDR, le clos des gens qui pensaient vraiment pouvoir me chercher des nouilles, ok? C'est pas parce que je suis partie en courant que j'avais peur, genre vraiment pas du tout. Allô, les gens, oublie pas que je suis en clash avec Booba. Genre, je pensais vraiment que mes arrières ne sont pas assurées. C'est ça? Mais franchement. Vous voulez faire la purge aux influenceurs. Mais elle, c'est pas celle que vous allez avoir. Hein. Elle aura le dernier mot. C'est bien, ça. Toujours.